La folie furieuse. Alors, j'ai rien contre les Siciliens, mais là, quand même, mes chers amis, avez-vous eu votre permis dans un Kinder Surprise? C'est pas possible, quoi. Alors, petit rappel. Sur une voiture, il existe des clignotants gauche-droite. Il existe la priorité de droite. Nous ne sommes pas en Angleterre. Ici, même les piétons, moi, je comprends pas. Les piétons traversent au milieu, vas-y, une mobilette qui passe, je me mens. La folie. Les automobilistes roulent comme ils marchent. Oui, les automobilistes roulent comme ils marchent, c'est ça. Droit devant eux, ils s'arrêtent quand ils veulent, on se gare. Même là où on n'est pas censé se garer. Voilà, on se gare là. On se gare de travers. C'est deux bandes quand il y en a qu'une. C'est ça, deux bandes quand il y en a qu'une. Trois bandes quand il y en a deux. C'est la folie, quoi. À tout moment, l'accident est possible. Il faut être, avoir des yeux dans le dos, il faut être un vrai caméléon, quoi. Ce n'est pas la double file ici, c'est la triple file. Donc quand vous arriverez en Sicile, mes chers amis, oubliez toutes les règles. Ah, il a mis son clignotant. Mais il tombe pas à droite, lui. Excellent. Ah, si. Doucement. Il va pas. Donc, mes chers amis, oubliez toutes les règles quand vous arrivez en Sicile ou en Italie, même d'ailleurs. Oubliez toutes les règles. Suivez votre instinct et roulez.
c'est marrant, je vais avoir un fou rire parce qu'avec la caméra et la espèce de grosse moumoute qui sert de micro, les gens pensent que c'est la télévision. Donc il y a un gars derrière là qui fait une photo. Genre, je suis la star du truc quoi ici. Ça montre vraiment ce que je viens faire ici. On est dans un petit village. Je ne sais même pas vous dire le nom, tellement on est vraiment. On est en fait dans le creux de la botte de l'Italie, dans le creux du pied. Si vous regardez par là, vous avez la pointe de la botte de l'Italie. Et donc là, on va arriver, on va se diriger vers les Pouilles. Et pourquoi on va se diriger vers les Pouilles? Parce qu'en fait, on avait pensé rester